Monsieur, dis-le! Oh, ben, pardon, mon Antoinet! Comment allez-vous? Oh, très bien, vous-même! Je vais très bien. Oh, avez-vous quelques minutes? Bien sûr. Ça fait longtemps que je veux vous parler. Ben, allez-y. Oh, j'ai une nouvelle idée et j'aurais besoin de votre aide. Suis-tu en train de me faire embarquer, moi, là? Ben, peut-être, vous me le direz. J'aurais besoin de savoir un peu sur l'histoire de Magog. J'ai de bons souvenirs, mais vous savez, j'ai passé quelques années à Paris et j'aurais besoin de vos connaissances. Ah, ben, ça me ferait plaisir de vous faire connaître la ville. C'est vrai? Ah, ben, puis je peux faire même des petites racontons. Il y a des affaires ici qui peuvent se dire, des histoires de tours de galerie. Des anecdotes, vous en avez? Des affaires que je peux vous dire, ça n'a pas de bon sens. Alors, on pourrait peut-être aller sur le terrain de la Maison des Fondateurs? On commence par là, puis je vous suis. Allons-y, venez. Vous autres, embarquez! En tout cas, quand je regarde ça de même, là, je me dis que ça a dû être d'ouvrage de bâtir ça. Hey, pas d'électricité, pas de lumière, rien, puis c'est drette, puis c'est bien fait. C'est sûr et certain, hein? Ils ont fait du bon travail. Mais n'allez pas penser tout de même que c'est la première maison dans laquelle ils ont habité quand ils sont arrivés ici en 1799. Ben non. Non, avec une femme enceinte jusqu'au cou en plein hiver? Non, certainement pas. Moi, j'ai l'impression qu'à la regarder comme ça, on doit être quelque part autour de 1821. C'est sûr, mais c'est pas la première maison, parce que comme tous les colons, ils ont dû avoir une maison de log, c'est sûr. De log? Oui, une maison de bois écorri, vous savez. Ils faisaient comme un grand carré, ils couvraient ça d'un toit avec du bois, puis la terre battue, couverte de plancher, ça devait être frette, par exemple. Ça prenait une bonne truie pour chauffer ça. Un bœuf? Non, je veux dire truie dans le sens un chauffage, un poêle. Ah! D'accord. Oui. Ah, je comprends, oui. Vous avez jamais vu ça, une vraie maison de colons? Ah, non. Bon, ben, attendez un petit peu, je pense que... Je crois que j'ai ça ici dans mon portefeuille. Montrez-moi donc ça. Montrez-moi ça. En tout cas, moi, je me dis que l'important, c'est qu'ils ont su se trouver un bon spot. Ils sont droit sur le coin du centre-ville, de même avec une belle vue. Sans vouloir vous offenser, Monsieur Dillon, le centre-ville n'était-il pas plutôt de ce côté-là, dans ce qu'on appelait l'outlet à l'époque? Oui. C'est sûr que les hôtels étaient là, puis ça charriait de ce bord-là. Mais ça n'a pas été long, à partir de 1900, que le centre-ville s'est étiré, puis qu'il s'est en allé vers le Parc des Braves. Une belle affaire. En tout cas, une chose que moi, je suis content, c'est qu'ils ont gardé ici les belles colonnes qui supportent le toit de même, originales. Des beaux bâtons de bois, tu vois, des orbes. Ça doit être du cèdre, je présume, ou du tuya ici, tuya. Oh, du cèdre, de l'érable, du chêne. L'important, on va vous dire, c'est que ça tienne. Oh, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Faut que ça tienne, tout ça. Mais c'était pas des maisons qu'on était habitués de voir, nous autres, ici. C'est pas des maisons canadiennes? Ah, ben non, la maison canadienne, c'était plus avec de la pierre, comme on peut en trouver sur l'église Saint-Patrice. Ah oui, le derrière de l'église Saint-Patrice. Ouais. Ah oui, tout à fait. Et ça, je vous dirais que c'est plus de la maison américaine. Je me souviens de tout ça parce que quand je descendais voir ma sœur aux États, ben, on pouvait voir des maisons du même plan. Mais vous m'avez jamais dit que vous veniez des États-Unis, vous? Ah, ben non, je viens pas des États. C'est ma sœur Cordelia qui est descendue avec son homme pour aller travailler dans le coton. Ah, donc comme Madame Julia Mary avec Monsieur Moore. Ben, juste ici, vous voyez la maison, elle est juste de l'autre côté. Et ils sont allés étudier eux aussi aux États-Unis. Toujours est-il que quand je regarde là, comment ce qui est à bien installé, là, et ils devaient être riches, ce monde-là, quand ils sont arrivés des États-Unis. Bien, ils sont arrivés quand même assez nantis, oui, justement, des États-Unis. C'était-ils des loyalistes? Des loyalistes? Non, en fait, à Magog, il n'y a pas eu tellement de loyalistes. Non, eux, c'était plutôt des opportunistes, un peu révolutionnaires, mais bien intentionnés. Ah! Mais le plus important ici, c'était pas mal Ralph Mary numéro 5. Tout à fait, ah oui, vraiment, Ralph Mary numéro 5... C'est un homme important, c'est... En fait, il a presque tout fait, lui, dans sa vie. C'est assez incroyable. Il a été tenancier, il a même été maire à un certain moment donné. Il a débuté ce qui allait devenir la Dominion Textile, mais vraiment son embryon. Aussi, si on a le train aujourd'hui, c'est grâce à M. Ralph Mary V, entre autres. Il n'a pas été seul. C'est lui qui était comme un curé dans sa religion. Un curé dans sa religion. Un pasteur, vous voulez dire? Peut-être. Je ne sais pas comment ça. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas lui. Non. Non, celui dont vous parlez, c'est peut-être plus... M. Ralph Mary IV. Ah! Ah oui. Oh! Oh oui! En fait, Ralph Mary IV, c'est un personnage un peu étonnant. Tout d'abord, ça a été le premier instituteur de Magog. Ah, Oui, quand même. Sauf que... Mais ce ne sont que des oui-dire. Vraiment, j'ai comme entendu dire qu'il entendait des voix. La voix de Dieu. Il était pieux.
Oh, il était très pieux, très pieux. Il s'est promené même un peu partout. Il écrivait des poèmes et tout ça. Et il colportait la bonne nouvelle, même de l'autre côté des États-Unis. Ah, ben, c'est plus que ma rose blanche, en tout cas. Oui, certain. Mais c'est quand même quelque chose qui a acheté toute cette terre de M. Austin. De où jusqu'à là que ça allait, donc? Ben, en fait, d'ici, on ne voit pas tout à fait. Mais vous voyez là-bas la pointe là, qui s'avance dans le lac, là-bas, dans l'outlet, justement, la décharge du lac. Bon, ce qu'on appelle la pointe Mary. Aujourd'hui, ils avaient tout ce terrain-là. Et aussi, ça se poursuivait là, de l'autre côté, presque tout le centre-ville actuel. C'est quand même quelque chose. Ça, c'est, je vous parle des années vers 1800-1802, là, et environ, début des années 1800. Si on s'avançait pour voir la pointe, justement. Bien, justement. Et en plus, ça va me permettre de vous parler de Florence Mary. Avancez-vous. Mais attendez, là. Florence, là, c'était la fille de quel Ralph Mary, là? De Ralph V. Oui, c'est une des filles de Ralph V, parce qu'elle a eu quand même... il a eu quand même trois filles et un garçon. Ah bon? Bon. Mais éclairez ma lanterne, là. Numéro 5, vous m'avez dit d'ailleurs, c'est pas lui qui était curé non plus. Non, il n'y en a aucun des deux qui était curé. Ah ben, coudonc, j'ai de la misère avec ça. Avez-vous vu ça? La belle véranda, toi, qui adonne sur l'ouverture de la rivière Magog, de même. Ah oui, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça l'outlet, hein? Ah, ça veut ben... dire, justement, la décharge du lac Memphrey-Magog, qui est juste de l'autre côté. Avec la belle pointe Murray, mais ce que je trouve de valeur, c'est que toutes les belles colonnes verdoyantes qu'il y avait là-dessus, ils les ont aplaties. Ah oui, mais vous savez à quoi ça a servi? Toute la terre qui a été enlevée, là, comme vous dites, eh bien, ça a servi pour les rues de Magog. Oh. Alors, ça a été très, très utile. Mais quand est-ce que la ville est devenue propriétaire de ça? Ah, ça, c'est Florence! Florence, qui justement, en 1905, si je me souviens bien, c'est 1905, elle a donné ça à la ville pour qu'éventuellement, on en fasse un parc pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'était une très bonne idée. Oh, c'est une bonne idée, mais c'est parce que je ris, là, c'est pas de vous. C'est parce que moi, je suis en train de me faire l'idée, là, que tout le monde qui s'en va s'étendre là à tous les étés pour se faire routir, toi. Mais sans savoir que dans le temps, c'était le pâturage pour les vaches. Oh, oui! Vous êtes impayable! Oh, je sais bien, je sais bien. Vous me permettez de revenir sur les religions? Je sais, je suis bien fatiguant avec ça, mais c'est parce que... Non, il n'y avait pas eu de curé. Non, mais c'est qu'il y avait tellement de religions dans ce temps-là. Il y avait des églises partout de toutes les religions. Ah, oh, ben c'est vrai, il y a eu quoi? Attendez, anglicans, baptistes, méthodistes. Oui, oui. Oui, vraiment, c'était éventuellement des bons chrétiens. Bien sûr. Mais c'est parce que si on continue dans ce bout-là, ici vers Georgeville, là, on peut voir à gauche la petite Union Church qui, apparemment, est le début de toutes les petites églises ici. Mais vous me faites penser à quelque chose, vous. Oh? Vous savez qu'il y en a une de ces églises qui est reliée à la famille Mary? De laquelle que vous parlez, là, vous? Vous savez, Saint-Luc. Ah, sur la Pine Hill Road. Exactement. Auriez-vous assez de force pour me suivre jusque-là? Oh, ben, moi, je suis bien partant pour si vous voulez me raconter une belle histoire. Mais est-ce que Rose Blanche m'en voudra de partager un trottoir avec vous? Ben, Rose Blanche est bien malléable, à vous dire. Une femme bien à sa place. Allons-y! TV. Ensemble pour notre communauté.